Bah, tout le monde, c'est Christophe, je tiens surtout pour les breaking news et oh my god, les gens, il va falloir amener de la boisson et tout parce que là, c'est un truc de malade, la température, j'ai l'impression que je vais mourir avec mes écrans, mes trucs comme ça, il y a la console, il y a tout qui chauffe en même temps et là, avec la température qu'il y a dehors, mais je vous jure, c'est un truc de malade, je sais pas combien de degrés il fait chez vous, mais moi, personnellement, je commence mon intro par ça parce que oh, c'est trop, ça me rend fou, et je deviens parano, je deviens malade mental, je deviens complètement fou, je transpire des mains et tout. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui transpire, c'est... Oh! Et comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai changé de lieu, hein, je suis pas chez moi pendant quelques jours, je vous l'ai dit dans ma... Je crois que je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit. Plutôt sympa parce que là, genre, j'ai une belle chaise de gamer, j'ai aussi des beaux tableaux manga, bon, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, ça passe, franchement, même la chaise gamer et tout, c'est pas mal. Aujourd'hui, les gens, on va parler de Samsung. Samsung qui risque de faire quelque chose de carrément innovant en 2017. Alors attention, pour l'instant, c'est qu'un concept. Et d'ailleurs, les sources proviennent en fait de ET News, qui ont tout simplement dit comme quoi Samsung lancerait en fait des ardoises tactiles pliables dès 2017. À ce qui paraît, voilà, à ce qui, eh bien, il va avoir des tablettes qui seront pliables. Et c'est pas tout, puisque le concept va se reposer sur un écran pliable en deux qui va transformer la tablette en un smartphone de 5 pouces une fois plié. What the fuck? Alors, bon, on parle de concept, pour l'instant rien d'officiel, mais si peut-être qu'un jour ça va sortir, et d'ailleurs Samsung ont été le premier, on va dire, un peu à sortir ce fameux smartphone à écran incurvé, d'ailleurs que moi j'apprécie beaucoup, il y en a plein qui aiment pas, moi je trouve ça. Enfin, c'est vrai que d'un côté, à quoi ça sert? Mais moi, je trouve que c'est plus immersif. Après, on a tous notre petit avis. Mais ici, on parle vraiment d'une nouvelle technologie qui va utiliser. Donc, alors, petite information, c'est que ce projet-là va porter le nom de code de Project Valet, qui devrait faire naître en fait un appareil doté de deux écrans flexibles OLED. Une tablette, et que en fait, vu que c'est flexible et tout, tu peux la transformer en un smartphone de 5 pouces. Ça paraît un peu. Je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Je sais pas d'où ça sort tout ça. Et aussi, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on parle du Galaxy S8 qui pourrait peut-être comporter une de ces technologies-là, un peu un écran plus vraiment incurvé, mais quasiment pliable. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans des grands salons où ils présentent les dernières télévisions, par exemple. On peut voir aussi maintenant des écrans qu'ils arrivent à faire où il est tellement fin, limite comme une feuille de papier ou une carte de crédit, aussi fin que ça, et que finalement, t'arrives limite un peu à la plier. T'arrives un peu à plier l'écran. Le problème, c'est que pour quelques millimètres, par exemple sur le dernier iPhone ou le dernier Samsung, on a toujours des problèmes de batterie. Et maintenant, on se dit, bah tiens, on va faire des appareils encore plus fins. Mais avant de se poser la question de faire des appareils encore plus fins, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser des questions sur comment, même s'il y a des centres de recherche là-dessus, arriver à faire des meilleures batteries avec des meilleures autonomies et sans doute encore plus fines? Parce que franchement, il faut se poser aussi des questions un peu partout, pas que forcément dans le design et dans la vente, mais aussi dans la, on va dire, quand même dans les caractéristiques du smartphone, mais aussi dans une autonomie quand même qui puisse au moins durer une journée avec une connexion 4G toute la journée, voilà, c'est quelque chose de pas compliqué qu'on veut, et pourtant, ça se passe pas comme ça. Donc, dès qu'il y aura un peu plus d'informations, je vous tiendrai au jus, moi je trouve ça intéressant, et Samsung quand même prennent peut-être les devants, vont peut-être prendre les devants sur ça, et bien pour l'année prochaine, on verra tout ça. Je sais pas du tout. Mais merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out. Et bah, j'ai soif, c'est un truc de malade. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.